Je suis d'origine colombienne. Ça fait 12 ans que je suis en France maintenant. J'ai 31 ans. Je pense que la cuisine est faite d'instants de vie, est faite de. Elle évolue énormément par rapport aux expériences que le cuisinier va vivre. Ma cuisine s'est formée et s'est faite de rencontres, s'est faite de voyages, de partager une tagine au Maroc, de déguster un ceviche sur la plage avec des potes. C'est ça, c'est des rencontres, c'est de l'humain. Moi, je pense que le hasard a complètement sa place en cuisine, a complètement sa place même dans les recettes. Par le fruit du hasard, on a la tarte à thym. Et c'est là où on va aller goûter, on se dit, ah, c'est quand même exceptionnel. Moi, j'ai un dessert qui est complètement dingue, qui était chocolat, oseille et café. Et ça s'est fait par le fait que moi, le matin, j'étais en train de boire mon café, je découpais de l'oseille pour la mise en place, et j'adore le chocolat avec le café. Et en fait, j'avais un espèce de mélange des trois en bouche, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Je trouve que la cuisine doit être un peu comme la danse. Tu dois avoir certaines règles, tu dois connaître certains pas, mais la plus belle danse, c'est là où deux partenaires se retrouvent, commencent à danser, et c'est là que c'est magique. La cuisine évolue. La cuisine évolue avec le temps, la cuisine évolue avec les rencontres, et la cuisine évolue aussi avec le matériel qu'on utilise. C'était un sacrifice avant de recevoir des gens parce qu'on passait des heures à cuisiner, on avait un peu la pression. Aujourd'hui, avec ce type de four et ce type d'éléments, on peut recevoir des gens à la maison, faire la cuisine pendant qu'on est assis à boire l'apéritif à table. Mine de rien, c'est vrai que c'est fantastique quand même de pouvoir mettre une frite dans un four vapeur à 45 ou 48 degrés, l'oublier pendant 1 heure et revenir et qu'elle soit toujours cuite, toujours fraîche, toujours parfaite. Nous, on a de la chance d'avoir des produits, des technologies juste incroyables pour faire notre cuisine toujours plus pointue, toujours plus maîtrisée et toujours plus agréable.